moitié de réveillon avec un truc foireux. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Eh ben alors, nous allons faire le petit journal numéro 39. 39. Eh ouais, on est déjà prêt pour le réveillon. Alors, on est prêt, vous avez remarqué, on est à l'eau. Ouais. C'est, ah ouais, c'est ouais. Pas qu'on va la boire, mais enfin, toi tu vas la boire, moi j'ai une santé de fer, ça va me faire bouiller. Et marrant ton truc, tu sais quoi? Non. On dirait un pistolet, tu sais, pour pisser dedans. Ouais, c'est vrai. Non, mais je trouvais ça original, hein, et puis ouais, je me suis dit, comme ça, je voulais la quantité. C'est pas mal, mais hein, du vin sera pareil. Ah ouais, t'inquiète. Voilà, tu allez, fais quoi toi pour ton réveillon? Ah bah écoute, je crois que la même chose que toi. Eh ben on va faire la chouille. On va faire la chouille, alors. Et vous aussi, hein, faites bien la chouille, parce que 2017 approche. Et puis t'as vu, j'ai vu, je sais plus sur quel bouquin, quand tu mettais 2017 face à une glace ou à tout, ça faisait soif. Ah oui, bah c'est pour nous. Voilà, ah, voilà. Donc ça sera bien pour la 2017, sauce. 2017, égal, soif. Voilà. Allez, à vous les alcoolos, vous allez boire un coup. Hein. Allez, bon c'est bon. Oh ah, c'est bon, mais ça déborde. Mais avec le vin, ça dis-donc, avec l'âge, bah oui, c'est pour ça aussi. Mais je tremble. Bon, allez, on va parler un petit peu quand même de choses sérieuses, de ce qui s'est passé. Eh ben oui, on a fait quoi alors? Le Beaujolais. Ah, le Beaujolais. Vous n'y étiez pas. Ah ben, on n'y était pas. Ben non, parce que là, vous étiez en train de vous dorer la pilule au soleil, pendant que nous, on est en train de déguster le Beaujolais nouveau. Eh ben, raconte. Qui n'était pas mauvais. Il n'était pas mauvais. On était une cinquantaine de personnes. Ah, quand même, hein. Oui, oui, oui. Donc tout s'est bien passé, la cochonaille, tout ce qu'il fallait comme d'habitude. On avait un beau petit buffet. Ah ouais. Et après nous avons fait la dégustation de vin comme d'habitude. Eh, ils en ont commandé 450 bouteilles. Ah bah bravo. Bravo, hein, on vous reconnaît bien là. Ah bah Laurie est au bar. Hein. Alors, ah je oui, sais bah pas, oui, c'est écoute, pour ça. Elle faisait son commercial au bar, derrière le bar. Elle a exercé ses talents. Voilà, donc Marilyn, bien, tout ça, tout le monde a bien, ouais, a bien participé. On a bien tourné autour du buffet. Donc, puis on va dire merci à Thierry. Eh bah merci à Thierry. Ah ouais, Thierry nous a fait super buffet apparemment, hein, bah, c'était sympa. Oui, c'était super bien présenté et autres, et puis du coup, bah, nous, on a eu moins de choses à faire. Bon, voilà, bah, écoute, c'était super. Et ouais, après ouais. Et bien après, écoute, il y a eu le Cohésion. Ah oui, Cohésion, ah, bah, tu n'y étais pas? Non. Eh oui, c'est sportif. Bah, et donc, puis, très intellectuel peut-être aussi. Oui, voilà, exactement. Hein, c'est pour ça que j'avais pas trop ma place. Mais bon. Cohésion, super. 15 personnes, alors, ceux qui ont mal au dos, inutile de venir, hein, parce que... C'est un peu sportif, hein. C'est comme un centre d'entraînement d'agent secret, donc beaucoup de réflexion, beaucoup de, c'est pas mal, de ça physique, c'est dynamique. C'est intensif, ouais, ouais. C'était vraiment très très bien, c'est à refaire, même ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du sport, vous pouvez venir quand même, c'est sympa. Voilà, mais pour la réflexion, l'organisation, tout ça, c'est... Voilà, puis nous on avait Lolo dans l'équipe, alors... Ah, donc pas, voilà, bon, ça bah, c'est tout sûr, seul, vous hein, étiez jeune alors. Ouais, ah, on était avec... Moi j'étais avec trois filles. Ah, la chance. Ouais, c'était vachement bien, bon, côté... Côté culture générale. Ah oui, l'avant peut-être, oui. Voilà. Bon, mais... sur physique. Ouais, voilà, mais c'était d'accord, bien le physique. Hein. C'était mignon parfait, d'ailleurs. Ah, mais, voilà. Bon, bah écoute, hein, voilà. Voilà, ça c'est une bonne filles, équipe. Hein. Heureusement que vous étiez là, vous étiez un peu blonde, mais c'était bien. Ah, quand d'accord. Bon, sinon après, il y a eu la soirée Halloween. Ah oui, alors soirée Halloween, vous n'étiez pas là ce coup-ci. Si, là on était là. Ah si, vous étiez ah, là. Ah bah si, il y a des ah, fois bah, ouais, on est là quand même. Hein. Alors soirée Halloween, ouais, on était 55, 60 personnes. Ah oui, avec des beaux déguisements. Ah ouais, et Jean-Luc avec le couteau au travers de la ah non, mais il y avait vraiment de beaux déguisements, ouais, de beaux, puis il y avait des de beaux maquillages. Avait, non, non, c'était franchement super. Merci à la famille Drouet qui a ah ouais, décoré la salle. Oui, oui, alors c'est la belle-fille. La belle-fille, Patrick, Patrick. Catherine, je ne sais plus son prénom. Elle est super, le déguisement avec tête de mort et tout. Bravo. Franchement, bravo, hein, félicitations. Ouais, ouais. Puis merci à Fanny aussi qui avait fait des belles affiches. Ah ouais, ouais, non, mais comme d'hab, et puis voilà, c'était vraiment sympa. Ouais, on a bien puis, mangé. On a bien mangé, bien on a bien bu. Comme d'hab, d'ailleurs. Comme d'hab, donc le cocktail était parfait. Voilà. Impeccable. Même de Pékin. Voilà. Ensuite, eh ben, il y a eu la soirée des métiers. C'est là où on n'était pas là. Oui, soirée des métiers. Alors, soirée des métiers, c'était très bien aussi. Ouais. Tout le monde avait bien joué le jeu. Il y a des beaux déguisements. Il y a des chirurgiens. Il y avait quoi d'ailleurs? C'était les chirurgiens qui revenaient d'Halloween, non? Voilà, tout à fait. Il y avait. Des médecins, j'ai vu. Des médecins, des gens de chantier, etc. Voilà. Moi, je ne sais plus. J'étais venu avec une photo de ma dernière coloscopie. Tu es proctologue? Ah bon, d'accord. Super. Non, ah bon, ou avec tes cachets? Non, non, c'était... Avec tes gélules. Bon. C'était très très bien, tout le monde bon, a bien parfait, joué le jeu, 50 personnes. Bon, bien mangé, bien bu. Puis alors, mais juste une petite anecdote. Denis, si tu nous regardes, alors si on met 7h30, le rendez-vous, c'est pas 9h30. T'as eu de la chance qu'il est resté un peu de part quand on l'avait gardé, parce que pour un peu... Tenez, donc sois sympa le prochain coup quand on dit 7h30, c'est pas 9h30, parce que sinon on ne te prendra pas. Merci, c'était que tu me comprends.
On va continuer. Et bien sinon après, ben malheureusement, la patinoire a été annulée. Oui, alors, bon, la patinoire, tu sais, comme d'habitude, tous les ans, on met patinoire parce qu'on sait que juste avant Noël, il n'y a personne. Enfin, il y avait deux personnes quand même qui se sont inscrites. Deux courageux, mais voilà, deux courageux, mais bon. Finalement, il n'y avait que deux, donc il n'y a pas eu. Non. Pas grave, on se rattrapera. Voilà, et puis après, on a eu Noël, hein, t'as passé un bon Noël? Ah, bah écoute, impeccable. Le Papa Noël est passé, on a été très sages, tous sages, on a bien, on a bien profité, on a bien mangé, on a eu des cadeaux, donc tout le monde a été content. Ah, bah super. Voilà. Sinon, on va parler un petit peu des choses à venir. Ah, alors, c'est important parce qu'une fois qu'on aura fait le réveillon et autres, entamé cette belle année. Il va falloir qu'on parte quand même sur des dates que l'on indique. Donc il y aura la galette des rois. Alors n'oubliez pas le 7 janvier, là on approche de la samedi date. Samedi 7 janvier soir. Donc là venez nombreux, venez rigoler avec nous, qu'on démarre l'année en On se souhaite la bonne année, qu'on se claque la bise. Voilà, exactement, qu'on fasse. Qu'on fasse les fous. On va garder les côtiers, je vais le garder d'ailleurs. Ouais, le mien il marche, le tien il marchait pas mal. Le mien il marche. Donc je vais essayer de le conserver. Alors comme d'habitude, on va faire la fête, on va se lâcher pour bien démarrer l'année, pour conjurer le mauvais sort. Oui. Et puis après. Alors après, attention, parce qu'il y aura le cabaret, mais le cabaret, nous changeons de date. Oui, c'est le 22 maintenant. C'est le dimanche. Voilà. Le dimanche midi au lieu du samedi soir. Voilà, donc on retournera dans Paris, on était allé donc en début d'année. Donc c'est le cabaret qui s'appelle le Grenier. Le Grenier. Bien rigolé. Un Bernardo, si tu penses à nous. oui, le Grenier, donc cabaret très sympa. Rassurez-vous, ce sera un nouveau spectacle. Et donc vous pourrez payer en deux fois, hein, parce que après les fêtes, c'est pas toujours facile de sortir 45 ou 50 euros. On ira en quart, ce sera bien sympa. Bon, super. Voilà, et puis après. Et on va faire un petit rappel peut-être sur le week-end de ski, parce que c'est important aussi, c'est pas maintenant, mais. Il reste encore des places, hein, donc. N'hésitez pas, si vous voulez venir avec des amis ou si vous avez oublié de vous inscrire, parce que je sais qu'il y en a qui ont oublié de s'inscrire. Ouais. Eh bien écoutez, contactez-nous et puis bien naturellement, on va rigoler. Puis j'espère qu'on aura de la neige. Ah bah écoute, pour l'instant, c'est... Si on va préparer les skis ou les raquettes. Hein. C'est pas grave, moi je prévois mon maillot de bain, parce qu'on sait jamais. Voilà, hein, en polaire, parce que là-bas il fait froid. En poil de sanglier. Voilà, ouais, un gros poil de sanglier, vous allez voir, c'est super. Bah, avec écoute, le foin qui n'est pas dans la charrette. C'est vivifiant, hein. Moi je sais pas, moi dans les pays nordiques, ils se foutent à poil et ils vont dans le lac et je vois pas pourquoi on le ferait pas non plus. Eh bien on va regarder, moi je te passe devant. Je me disais, écoute, pourquoi pas, on va faire la méthode couée. Voilà, donc il y aura de la neige qui reste. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On va parler un petit peu aussi pour tous les problèmes qu'il peut y avoir en ce moment avec les films qui ne sont pas sur Internet. Voilà, alors ils y sont maintenant. On a quelques petits soucis avec notre site web. Petits soucis de mail. Alors surtout, si vous ne recevez pas des mails ou quoi, n'hésitez pas à nous contacter pour nous faire savoir. Mais bon, sachez que c'est indépendant de notre volonté. Voilà. D'accord. Bon, sinon... On va leur dire quoi? Je crois qu'on va leur souhaiter quoi? Une bonne année. Une bonne année. Et une bonne année combien? Bonne année.